De passage dans l'émission 50 Inside, présentée par Isabelle Iturbourou le samedi 28 octobre 2023 sur TF1, Dave fut victime d'un trou de mémoire en plein milieu de son interview avec la journaliste, ce qui a provoqué un petit moment de flottement. Figure emblématique de la scène musicale française, le chanteur Dave va publier ses mémoires, qui seront baptisées « Comment ne pas être amoureux de vous ». Si est-il justement dans le cadre de la promotion de ce livre que le musicien a accordé une interview à Isabelle Iturbourou. Dave a ainsi répondu aux questions de la présentatrice de l'émission 50 Inside, diffusée le samedi 28 octobre 2023 sur TF1. Bien évidemment, l'ancien visage du service des sports de Canal+ a interrogé son invité au sujet de la terrible chute dont il fut victime au mois de janvier 2022. En fait, Dave a confié à Isabelle Iturbourou qu'il ne se souvenait pas des circonstances de son accident. Toutefois, certaines personnes lui ont raconté ce qui s'était passé. On m'a dit qu'il y avait un jean que j'avais mis à laver, et qui n'était pas tout à fait sec dans la cuisine, au rez-de-chaussée. J'ai couru dans l'escalier, et il n'y avait pas encore la balustrade. Je suis clairement tombé en arrière, mal, a expliqué Dave. L'interview du chanteur fut ensuite perturbée par un petit moment de flottement. En fait, le musicien originaire des Pays-Bas fut victime d'un trou de mémoire au beau milieu de son entretien avec Isabelle Iturbourou. Dave, depuis ma chute, j'oublie les noms, ce livre est différent des autres, si est-il presque un dialogue avec celui qui a coécrit le livre avec moi. Ce garçon, il s'appelle Gauthier, a lancé Dave. L'artiste s'est ensuite interrompu avant de froncer les sourcils. Il s'appelle Gauthier, ou pas? A-t-il alors demandé, ne se souvenant visiblement plus du nom porté par le co-auteur de ses mémoires. Hors caméra, quelqu'un lui a fait remarquer que l'homme en question ne s'appelait pas Gauthier mais Thibault. Depuis ma chute, ça s'appelle un trouble de la mémoire immédiate. J'oublie les noms, a ensuite précisé Dave pour expliquer l'origine de son trou de mémoire. Just need some